Salutations, ladies and gentlemen, on se retrouve, on est mardi, on se retrouve donc sur Hardcore, s'endormir, un jour, un épisode, les fantômes au-dessus de ma tête, mais c'est pas grave, j'ai un chat, voilà, il pleut donc forcément, ils ne vont pas cramer, ouais, c'est top ça, ça pourrait bien commencer l'épisode, puis il y a monsieur là qui veut absolument me faire des guili-guili. Alors regardez, j'ai ramené quelqu'un, pourquoi j'ai ramené quelqu'un? Eh bien, tout simplement, parce que déjà on va lui mettre un collier blanc, parce que il va changer de nom et ce nom n'a pas de... collier, donc en blanc, bah on verra plus de collier comme ça. Voilà, donc on va se rapprocher de l'endroit idéal pour le baptiser. Hop, toc, je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Et on va le baptiser tout de suite. Voilà, bah oui, il nous fallait idée fixe, évidemment. Vous pouvez pas faire le village sans idée fixe. Et du coup, on va faire aussi, j'ai ramené ce qu'il fallait, pouf, plein d'échafaudages. Ping badaboum, voilà, un stack ennemi, parfait. Et on va en utiliser un, juste un. Ah, par contre, il m'en faudra encore plus pour faire le progrès pour aller jusqu'au toit du monde. Je pense que je vais la mettre ici. Et voilà, un petit progrès au passage, 420, plus que 5, et on pourra utiliser un raccommodage. Et on va faire un truc dont parmi tout ce que vous m'avez suggéré, on va faire le truc un peu simple, je pense. On va. Hop, tic, tac, voilà, se faire une petite niche pour monsieur Idéfix, qui s'il veut bien va remonter légèrement, hop, est-ce qu'il veut bien venir, on va la tirer, voilà, viens mon gars, allez, viens avec moi, pouf, 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 tiens, viens, j'ai de la viande, tiens, j'ai de la viande, et regarde, viens trouver, miam, bonne viande, si tu veux bien venir, hey, tu viens, s'il te plaît. Voilà, tu ramènes ta fraise. Merci, Idéfix. Voilà, alors je suis désolé, Idéfix, mais hop, tu vas t'asseoir. Et tu vas attendre, sagement, ici. Voilà, t'es chez Obélix. C'est ta maison. Allez, ça c'est fait. Je sais pas si avec les échafaudages, on va essayer quand même. Je peux faire le progrès. On va ranger tout ça pour l'instant ici. Allez, super haut. Hop, 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 hop. Je pense pas, parce que du coup, je vais pas arriver au toit du monde, là. Il faut que je regarde à quel coup j'ai commencé. Je suis bête, j'aurais dû me mettre en hauteur. F3. Je commence avec le 70. Ah, 70. Non, je vais pas atteindre 256. Et puis là, tant qu'il y a les fantômes, c'est juste pas gérable. Donc ça va attendre. On va le faire sans les fantômes. Déjà, on va essayer de récupérer tout ce qui est cette pluie d'échafaudage. qu'est-ce qu'ils font les chevaux là-haut, là, c'est bizarre. Hop, alors la pluie d'échafaudage. Hop, on récupère, on récupère. On est censé avoir un stack et demi moins 1. 64 et 31. Voyons, voyons ce qu'on a. 64 et 31, on est bien. Voilà, donc on va continuer. Alors on va se faire un repère tout simple, c'est qu'on va... Ah, c'est chiant, ça, on peut pas monter ici parce que c'est de la terre labourée. Enfin, un machin. Du chemin, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, ça nous ferait déjà une base du tronc à cette hauteur-là. Prenons un peu de distance, voyons ce que ça va donner. J'hésite, du coup, parce que 7, c'est peut-être trop... c'est peut-être trop. Aïe, aïe, aïe. Parce que si je fais 5 pour mon... Comment ça s'appelle? Mon cercle de base. Il va tout de suite être moins rond. ça fera moins tronc. Parce que le rond de 5, je vérifie sur mon autre écran. Ouais, ça, c'est 3-3. Ouais, bah, c'est la fontaine qu'il y a. C'est monter sur la fontaine, en fait. Ah, bah voilà, ils vont cramer, là. Et bah voilà. Ils vont cramer. Du coup, 3-3, ça fait quand même pas grand, et ça fait pas très rond. Et quand même, un tronc qui est pas rond, c'est pas jojo. C'est la fontaine, en fait. Hein. Ça ferait la base de la fontaine pour notre tronc d'arbre. Mais là, quand je recule, je me dis que 15, déjà, par rapport à la maison... Normalement,
si je me base sur le screenshot que je vais vous mettre d'ailleurs en incrustation, par rapport au toit d'une maison juste à côté, on voit que notre tronc est à deux tiers. Il reste encore un tiers avant d'arriver à la plateforme de la maison, mais aux deux tiers, il arrive au faîtage du toit. Alors là, c'est le cas. Donc 15, ce serait du coup le faîtage du toit là, sachant que j'ai perdu un bloc, donc 16. Bon, disons 15, parce que ça fait un multiple de 3, c'est plus pratique. Donc il me manquerait, pour me faire le dernier tiers, maintenant 18, ce serait mieux. Donc 3 fois 6, 18. Je vais peut-être monter quand même à 24, du coup. On va peut-être monter notre tronc à 24, pour être sur la bonne hauteur. Pour être sur la bonne hauteur. Donc 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ça va être déjà plus sympa. Ouais, par rapport à la maison à côté, voilà, on fait vraiment une maison en hauteur. Le tronc va quand même être large, je trouve. De 7, ça fait beaucoup. Peut-être qu'arriver à 15, on va le réduire à 5. Et puis on va essayer de jongler comme ça. C'est-à-dire qu'on. Ouais, on va peut-être faire ça. C'est les deux tiers à 7 et un tiers à 5. Là où partiront les branches, oui, on va faire un truc comme ça. Alors, hop, déjà, on prend tout le bois qu'on a. Je pense que j'en aurai pas assez. Dans les hypothèses que j'ai, je vais peut-être aussi faire une machine à bois. Voilà, un truc de bûcheron, un truc. Voilà, faut que je réfléchisse, faut que je vois un peu les matériaux. Est-ce que je les ai? Parce que celle à laquelle je pense est gourmande en redstone. Ok, alors, on va essayer déjà de monter tout ça, voir un peu ce que ça donne. Donc on va le monter à 15. Là, je sais. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on va faire en deux temps. Donc là, on arrive seulement à 5 de haut. 5 de haut, bah oui, ça monte vite, hein. Et voilà, faut voir un peu ce que ça rend. C'est que du bois, ça se coupe si vraiment on n'est pas satisfait. Voilà, ah, ça fait de la hauteur, hein. Ça va faire quand même un sacré machin. 1, 2, 3, 4, 5. Je redescends par ici. J'essaye de sauter là. Voilà. 1, 2. Je me suis fait mon repère. Et j'y vais. J'aurai jamais assez de chêne. Donc il va falloir farmer du chêne, clairement. On va déboiser. 2, 3. Voilà. Je voudrais juste voir ce que ça donne cette hauteur-là. Après, c'est un peu la maison emblématique, hein. Et je vais avoir juste ce qu'il faut pour voir. Voilà, il m'en reste 5. Alors, on est déjà à une bonne hauteur là, mais vous voyez, je suis pas au faîtage du toit de la maison d'Astérix. Par rapport au screenshot, le tronc il est plus haut que ça, hein. Mais à partir de là, on pourrait peut-être commencer à le réduire en largeur et faire du coup. Du 5, à faire juste une rangée ici, peut-être de bûches. On va voir ce que ça donne déjà de loin. Déjà 15h23, ça va pas être un build simple. Ouais, ça fait déjà un sacré morceau, hein. Mais pour que ça ressemble à un arbre, je pense qu'il faut que ça monte plus que ça encore. Largement, ouais, parce que là je suis monté de 15. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être monté que de 10 là. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça, j'ai fait que 10. Donc, ouais, là déjà, on voit. Ah mince, pardon. On voit que c'est pas bon. Au niveau hauteur, par rapport à la largeur, on voit que pour que ça fasse arbre, il faut que ça monte quand même plus que ça, hein. Puis après, on va enlever quelques bûches, on va rajouter des dalles tout autour, on va faire des. Alors, par contre, ça me paraît quand même super large. Je pourrais peut-être commencer à réduire à partir de cette hauteur-là, du coup, à partir de 10. Ouais. Ouais. On pourrait faire un truc comme ça. Il me reste quoi en bois? De toute façon, là, il me reste plus de bois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. De se mettre ici, récupérer nos échafaudages. Ce que je voudrais, c'est qu'ils tombent pas là. Voilà, impeccable.
Hop. Merci, merci, merci. Donnez-moi mes échafaudages, s'il vous plaît. On va essayer de tenter le coup du progrès quand même avant d'aller farmer le bois. Et puis bah les chevaux là, je les ferais bien tomber quand même. Maya, ça va être coincé là-haut là. Je pense qu'ils sont coincés pour une raison simple. Eh ben, c'est qu'on peut plus. On peut plus descendre. Bah non, pourtant on peut par là. Bah oui, non, vous y mettez pas du vôtre du tout. Et vous me poussez en plus. C'est pas bien, messieurs les chevaux. Hop. Alors, on va essayer de vous faire pousser à notre tour. Youp. Youp, la boum. Allez, on descend les chevaux. On descend. On descend. Hop. Mince. Pas réussi. Ça y est, j'ai réussi à faire descendre celui-là. Et l'autre là, il galope dans tous les sens. Mais il veut pas descendre. Hop, allez, on descend. Voilà. Non, non, non. Tu redescends. Voilà. Et tu ne montes plus. Est-ce que moi je peux monter par là? Non, je peux pas. Hop. Ta 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 ta. Aïe. Ah, j'arrive pas à sortir par là non plus. Oh là là, mais c'est pas possible ça. Ah, puis j'arrête pas de sauter, de prendre des dégâts de chute. Hop, hop, hop. Mon petit passage tranquillou par ici. Ah oui, mais alors du coup, s'il fait nuit, les fantômes vont apparaître. Eh, le cheval, il est remonté. Je rêve. Il est déjà remonté. Pourquoi il veut absolument aller là-haut? C'est ça la bonne question. Mob. Pas de mob. Il faut faire gaffe quand même. Alors, on va voir si on arrive à faire le coup. Si on arrive à faire le coup du petit progrès 421, et ce serait bien. Hein. Petite diversion pendant le build. Allez, on grimpe vite. J'ai pas pris de potion de chute lente, ça aurait été la meilleure idée aussi pour. S'ils apparaissent, ils vont me faire tomber, c'est sûr. Ah là là, ils sont apparus. Est-ce que j'ai une chance d'arriver au toit du monde quand même? Wapala, wapala. Eh ben voilà, raté. Oh, puis là un creeper. C'est pas vrai. Et je gère. Hein. Vous avez vu ça? Oh punaise. La grosse galère. Mais pourquoi le chat il me suit jamais dans ces cas-là aussi hein? Je vous jure. Un petit mouton marron qui traîne. On récupère nos échafaudages quand même. J'en ai combien là? Eh, j'en ai. Il m'en manque plein là. Ça va pas du tout ça. T'es où toi? Hop, mince. Je gaspille mes flèches là. Ah, je suis agacé. Je suis agacé par cet échec cuisant. Oh là là, mais je fais n'importe quoi du coup. Et j'ai presque plus de vie en plus, je fais vraiment n'importe quoi là. Il est où? Ah, mais d'où tu sors toi? Punaise. Vous me cassez les pieds là. Non d'une pipe. Tout ce que je veux, c'est récupérer mes échafaudages. 64-19. Oh là là. Ah, ça y est, il y a un chat quand même qui s'est pointé là. Tant bien que mal. Hop, on récupère les flèches. Raté. Merci le chat. Bah, il serait temps, ouais. Je te jure. Comment tu m'as fait. Gâcher du temps et de la vie. Monsieur le chat, à ne pas faire ton travail. Voilà, j'ai récupéré tous mes échafaudages. Eh ben, quelle histoire, tout ça pour
un petit progrès, mince alors. C'est quand même dingue ça. Bon, eh bien monsieur le chat, venez avec moi. Hop, on descend. On redescend par là. Et puis de toute façon, il faut qu'on farme du bois. Donc on va farmer dans notre zone habituelle. Hop. Et puis on va farmer. Et puis en même temps, on va faire quelques zombies, je pense. Voilà. De bien entendu. On va pas être tranquille. Hein. Faire gaffe au creeper quand même. Je sais que mon armure m'a sauvé une fois, mais. Voilà. Ne tentons pas le diable. Pour ce deuxième épisode de la semaine. Soyons pas foufous quand même. Hein. Vraiment, j'ai le chat avec moi. Donc. Des creepers et tout ça. Ça devrait le faire. Ok. Continue. Bon, tant qu'on y est. Je pense que je ferai le toit en boulot. C'est pour ça que je le ramasse, le boulot. Ce tronc-là, j'ai pas envie de le casser. Il est beau. Par contre, ceux-là, de côte-côte en plus. Hop, 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 hop. Allez, faire un arbre custom, ça va demander un peu de ressources. Je pense que je vais en farmer hors caméra. Hein. Là, je le fais avec vous parce que bah, c'est bientôt la fin de l'épisode et puis qu'on s'est un petit peu amusé. Mais je pense que je ferai le reste hors caméra parce que là, il va m'en falloir des stacks. Relativement impressionnant, je pense. Parce que là, j'ai mis deux stacks, plus de deux stacks. Et j'ai pas fait la moitié du tronc. Donc, il y a du travail. Moi, je vous dis, il y a du travail. Hop, le chat, tu me suis parce que là, je suis dans le feuillage, je vois que dalle. Je vais bien me taper un creeper dans les dents, là, tout à l'heure. Après, je vais être obligé de couper un petit peu parce que... Voilà, c'est collé à cet arbre-là. Oh, tais-toi. Une araignée maintenant. Une araignée, je vous jure. Dégage. Et j'ai entendu un zombie aussi. J'ai entendu un zombie, monsieur. Où il est? Ah, il est là. Eh, hey, mais lâche-moi, toi. Mais lâche-moi, dis donc. Il est allé aux chasses aux œufs en plus, ce zombie. Alors. Ah, mais vous êtes combien là? Vous allez vous calmer, oui? Ah, c'est pas vrai ça. Ok. Là, on désingue le boulot. Est-ce qu'il était collé aux chaînes? Oui, donc on désingue le chêne aussi. Alors, on déforeste méthodiquement, hein. Lui, il est aussi collé au boulot. Hop. C'est en faisant ça que je me retrouve des fois à déforester une plaine entière. Hop. Allez, ça c'est fait. On va voir si ça déforeste tout seul. Est-ce qu'il en manque des bouts de bois? Bah oui. Là, il y a un petit bout de bois qui manquait. C'est pour ça que ça ne dépopait pas. Là, on récupère toutes nos petites pousses parce qu'on va reforester dans la foulée. Comme d'habitude, je viens de voir encore un petit zombie. On récupère les pommes parce que c'est pareil. Un stack de pommes sera nécessaire parmi tous les progrès à faire. Ce qu'il faudrait que je prenne aussi, c'est des haches de chaque type pour faire le progrès. Hein. Tuer des mobs avec chaque hache. Ouais, viking. Ce serait pas mal. Et du coup, j'avais pas eu une seule ruche avec ma tentative la dernière fois. Ouais, ceux-là, ils sont tous collés. Est-ce que j'en ai des pas collés? Bah là-bas, il y en a un grand, puis il y a du mob. Hop là! Et il y avait un creeper. Et ben là, il a... Lui aussi, il a pas déforesté, il a terraformé. Monsieur le creeper, il a décidé que c'était pas joli ici. Donc il a... c'est dangereux en plus. Une belle petite chute là. Faut que je fasse une chute d'eau, tiens là, ça pourrait être joli. Petite chute d'eau. Là, je suis à combien de pouces là? Hop. Ah tiens, bah, on va remettre les fleurs aussi. Faut quand même bien réussir à avoir une petite ruche à un moment. Hop.
Et on prend les pouces. On va se mettre un arbre là. Et un arbre là. Je fais des tests. Hop. Donc ici, rien. Hop. On récupère les petites pousses. On remet des petites pousses. Histoire de récupérer. On m'a tiré dessus, non? 5h41 en plus. On arrive au bout de l'histoire pour aujourd'hui. Hop. Allez, on termine quand même gentiment notre récolte. Et hors caméra, je continuerai cette histoire, du coup. Hop. Tic, tac, j'ai largement assez de pousses de toute façon pour faire une méga zone forestière. Et puis voilà, quand il y en a plus, il y en a encore. Hop, hop, hop. Alors là, on va en planter pas mal. Cela, c'est la vocation. Enfin, je pourrais les planter en ligne, hein. C'est vrai que je me casse un peu la tête là. Dans l'hypothèse peut-être où il y en aurait un de joli, quoi. Toujours pas d'abeilles là dans le coin. Là, j'avais mis des fleurs et tout, hein. Ah si, bah voilà. Maintenant, elle était déjà là, cette ruche là. Là, il y a une ruche, mais je suis pas sûr qu'il y ait encore des abeilles avec. C'est ça le truc, c'est très très mortel là. Les abeilles, ça ne vit pas très vieux. Alors on va se mettre quand même un chouille un petit peu en sécurité. Hop, hein, pas loin d'un golem, c'est bien. Voilà. Et puis ben voilà, c'est un épisode de... Regardez, le tronc avance. Ça va prendre un peu de temps, hein. Il va nous falloir la semaine, je pense, là quand même, pour faire un truc qui ressemble à quelque chose. Donc je vais fermer quand même le bois hors caméra. Parce que là, ça va vraiment être laborieux de faire que des épisodes de farmage de bois. Et puis ben on va se dire à demain, si vous le voulez bien. Portez-vous bien. Ciao, ciao.